La question de l'identité et son extrême complexité me semble être une question qui doit encore occuper énormément l'humanité. L'étude de la complexité de l'identité. Dans toutes les dimensions de l'histoire humaine, cette question revient toujours, aussi bien dans les rapports où se tisse l'histoire que dans la façon même dont nous écrivons l'histoire, qui est ma discipline. Nous n'avons pas encore les concepts pour non seulement déconstruire du point de vue scientifique, mais surtout vulgariser au sens premier du terme, c'est-à-dire faire que le plus grand nombre accède à cette complexité. Nous n'avons pas encore les instruments de transmission et de partage qui permettent de comprendre que l'autre est toujours un miroir et qu'en le regardant, je ne vois que moi-même autrement. La violence exercée sur l'autre, c'est la violence exercée sur moi-même qui se présente devant moi autrement.